Bonjour tout le monde. Les vidéos précédentes, on a parlé de tectonique des plaques, on a parlé des domaines structuraux. Aujourd'hui, on va essayer de faire des présentations pour chaque domaine structuraux. Grâce à un commentaire d'une personne sur ma chaîne, on m'a demandé de parler sur l'anti-atlas. Je lui ai dit que j'ai parlé seulement par des présentations, des généralités sur chaque domaine. Après, on va essayer de faire le détail pour chaque domaine. Donc aujourd'hui, je vais commencer par l'anti-atlas. L'anti-atlas, cette planche-là, montre un peu la carte géologique de l'anti-atlas. Donc l'anti-atlas, c'est une chaîne montagneuse surbaissée. D'orientation, comme vous voyez, c'est de ouest-sud-ouest, est-nord-est. C'est allant depuis l'anti-atlas, bien, pardon, de l'Atlantique jusqu'à l'Algérie. Il y a une autre partie ici, c'est la continuité de l'anti-atlas qui s'appelle le Gartha. C'est vers l'Algérie. C'est limite au nord par l'accident qui est très connu, c'est l'accident atlasique, sud-atlasique. Et au sud, à sud-est, c'est le bassin du Tindouf et le bassin aussi. Saint-Dobcha vers l'Algérie. Donc l'anti-atlas est caractérisé par la présence du massif précambrien qui sont très érodés et qui ont suivant une altitude plus basse que le terrain paléozoïque qui le recouvre. Donc à des terrains paléozoïques, à ce moment-là, on parle de bretonnière. Pour définir une bretonnière, que ça veut dire une bretonnière. Une bretonnière, c'est des terrains plus anciens entourés par des terrains plus récents. Donc, je vais commencer pour faire une petite subdivision géographique. Donc, l'anti-atlas présente trois zones géographiques. À extension différente, si vous voulez. Donc, je vais commencer par l'anti-atlas occidental, qui comporte beaucoup de boutonnières. Deux boutonnières principales, la boutonnière de Kurdus, il est fini. Il y a d'autres boutonnières, il y a Badra, il y a Zagragra, il y a la boutonnière d'Aqa, il y a Dorzilla, c'est un boutonnière aussi. C'est une boutonnière, pardon. Il y a l'anti-atlas central. L'anti-atlas central situé entre, si vous voulez, situé entre Serwa et le si vous voulez, et le Saro. Il est constitué de trois boutonnières importantes. On a le Serwa, le Znaga et la boutonnière de Bouazer-El-Gar. La troisième, c'est l'anti-atlas oriental, qui comporte deux boutonnières principales, la boutonnière de Saro, la porte de Saro, et la boutonnière de Ounat, c'est vers les régions de Tafilat, et les régions de Melab et les régions de Erfout. Ça, concernant la subdivision géographique. On peut faire aussi une autre subdivision, bref. Une subdivision structurelle. Donc, à la chaîne anti-atlasique, chaîne formée des terrains précambriens, il est interprété comme un bord relief frontal plissé de boucliers africains. C'est un bouclier qu'on appelle le WAC, le craton ouest africain. Ça, on va parler, inch'Allah, les vidéos suivantes. Donc, l'accédant majeur, si vous voulez, vous voyez ici, c'est l'accédant majeur de l'anti-atlas, de direction nord-ouest-sud-est, divise l'anti-atlas en deux parties.
structurellement une partie, si vous voulez, récent, mobile, on appelle le domaine nord-oriental, et une autre partie, on va parler ça par des temps, les vidéos suivants, et l'autre partie, si vous voulez, c'est ce domaine ancien, stable, appelé aussi domaine hibernien. Et qu'on appelle le sud-occidental, c'est-à-dire la partie sud-occidentale de la Bretagne. Ça, c'est la partie, je répète, l'entier Atlas subdivise par un accédo majeur, faille, accédo majeur de l'entier Atlas. Et subdivise l'entier Atlas en deux parties. Une partie, si vous voulez, mobile, récent, s'appelle aussi panafricain. Panafricain, Iburnien, et ça, c'est des orogenèses. On va parler ça par la suite dans les vidéos suivantes. C'est des orogenèses, c'est le détail qu'on va, inchallah, essayer de parler les vidéos, inchallah, précédentes, les vidéos suivantes. Donc, je vous dis que j'ai dit que cet accident majeur, cette division de l'Atlas en deux parties. Première partie, c'est l'entier Atlas. Ou bien, pardon, c'est la partie nord-oriental, et la deuxième c'est le sud-occidental qu'on a, c'est stable et hibernien. Donc ça, concernant cette présentation de l'entier Atlas, on a parlé de la subdivision géographique, la subdivision structurale, les différents types bretonnières que comporte l'entier Atlas, leur âge. Donc, les vidéos suivantes, inchallah, on va voir l'évolution de la géologie de l'entier Atlas en général. Depuis le Burien jusqu'à l'Hercynien, si vous voulez. Ça, c'est, on va voir ça, inchallah, les vidéos suivantes. Merci beaucoup pour votre attention.